Salut tout le monde, c'est Nasactu et on va regarder une story de GMK en Bugatti. Carrément, et après la vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Premièrement, on démarre le moteur. La W16 de 1500 chevaux, frérot. Ni plus ni moins, ma couille. 1500 chevaux de bon matin, frérot. Les jeunes bouchons matinaux. Ouais, parce que là, j'ai filmé le matin, mais j'enregistre les snaps. Et je les poste après pendant la journée, frérot. Regarde-moi le cet enfoiré, là. T'as les bibis, ils se déclenchent pour rien, c'est insolent. Mais bon, en même temps, au prix de la voiture, vaut mieux qu'ils soient précis, frérot. Donc là, on va aller à Cannes, en Chiron, tranquille. Tirer un immense tuning, mais bon, je poste ces snaps en décalé. Comme je vous l'ai dit juste maintenant, je poste tout en décalé, frérot. Volant, frérot, le volant, il a pris tarif. Il volante. Mais sinon, on est bien en Bugatti. Putain, faut que je vous... Là, que je les fasse monter là pour qu'ils comprennent ce que ça fait cette voiture, frérot. Vraiment le tuning, en plus avec cette musique de coiffeur, le tableau de bord blanc comme il reflète, il est aberrant, frérot. Ça... Il n'y a pas besoin d'être à Dubaï pour rouler en Chiron, frérot. Nous, les Chirons, on les a ici et on tire du bon tuning. Voilà, forêt, ça arrache. On va prendre l'autoroute, on va lui mettre bien lourd, frérot. On va bientôt s'insérer sur l'autoroute en Chiron, frérot. Donc les insertions sur l'autoroute en Bugatti sont assez rapides et assez, comment dire, expéditives. Tu vois, tu n'as pas trop à chipoter afin de t'insérer. Le plus dangereux, c'est de ne pas perdre ton permis, en fait. Tu vois. Donc là, ça y est, t'es inséré déjà. Voilà, t'es à la limite déjà. Pour s'insérer, il n'y a pas de problème, ma couille. Ça s'insère tout seul, frérot. Frérot, quel chétane cette voiture, incroyable. Frérot, faire la route avec une Chiron comme ça sur l'autoroute, c'est stylé. Mais c'est hyper dangereux parce qu'il y a des gens, ils ont des réactions de ouf. Il y a des gens, ils se mettent à zigzaguer, ils pillent, ils veulent te filmer. Donc quand ils te filment, ils dévient vers toi. Frérot, c'est hyper dangereux. Franchement, plus jamais je prends une Chiron sur l'autoroute, frérot. Never, frérot. Never, ever, frérot. La communauté Snapchat, j'ai un troisième œil comme tu peux le constater. C'est le retour du troisième œil, des pustules et de la gueule d'homme de Néandertal, frérot. Comme vous pouvez le constater, dans mes snaps il y a des absences des fois de 3-4 jours parce que justement de base je suis pas un grand snappeur, frérot. J'ai pas l'habitude de snapper toute ma vie, toute la journée. C'est vrai que des fois j'arrête pas toute la journée et au final je me rends compte que j'ai rien mis, tu vois. Donc des fois je te mets des trucs à l'ancienne, des fois je te mets des trucs du futur et des fois je mets rien comme pendant les 3-4 jours. Mais c'est genre, en tout cas à tous ceux qui m'envoient des messages très gentils de gens qui s'inquiètent, qui me disent j'espère que tout va bien, mais vous inquiétez pas la famille, c'est pas parce que je poste pas qu'il y a un souci, au contraire frérot, je suis dans le tuning et je vous ai tourné des vidéos très très sales, frérot. Là aujourd'hui j'ai emmené la Chiron, je suis allé à Cannes avec la Chiron, j'ai fait un petit tour tranquille, on a tiré un immense tuning, on a kiffé, frérot. Et là voilà, je suis de retour, frérot, dans un nouveau véhicule que vous n'avez jamais vu encore pour l'instant, que je vais vous montrer très bientôt, frérot. Un très très gros tuning, il y en a qui reconnaissent ou non? Audemars Piguet. Voilà un autre indice de la voiture dans laquelle je suis. Est-ce que vous allez réussir à trouver, frérot? Non. Quel est ce mystérieux véhicule qui est très 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 tuning d'ailleurs? L'aberrant petit train monégasque, frérot. Ça c'est vraiment tuning. Mais c'est stylé après. Juste quand t'es derrière et que tu veux pas le doubler, t'as la haine, frérot. Tu vois? Mais c'est cool sinon, le petit train monégasque fou, frérot. Ça me rend ouf, tu sais, les concours, quand ta voix elle se rabat sur la voix de quelqu'un et tu sais que tu dois lui passer devant, et là entre toi et lui il y a un concours de qui va réussir à passer devant, tu vois. Qu'est-ce que c'est tuning, frérot? Genre il te lance un regard un peu agressif, tu sais, genre me double pas, hein, cousin, tranquille, au pire je te double, ça va pas te coûter 100 euros, frérot,
Vas-y, passe, passe, tu es brave. Est-ce que j'aime pas les petites entrées de parking serrées comme ça, là? Merde! Putain, j'ai cru que j'avais touché sa race maudite. Après, je vous aurais encore mis un vieux snap tout pourri. Où je suis en train de dire, ah, j'ai rayé la jante. Voilà, on prend un ticket et c'est parti. Ouais, mets un vieux coup de jus, la machine, c'est. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé à vous. Quand tu récupères ton vieux ticket, genre, elle t'électrocute jusqu'à ta grand-mère, la machine. J'essaye de maigrir depuis quelques jours, mais là je pense que je vais m'acharner sur cette jeune glace folle. Oh là là. À chaque fois c'est pareil, putain. Je me dis vas-y, je veux manger une glace, je veux manger une glace. Je mange une putain de glace, frérot. Et je regrette après, c'est horrible. Putain, là je me sens comme un gros cochon, frérot, dans le siège de cette jeune AMG de coiffeur, frérot. Et je suis sûr que c'est à cause de ça que j'ai des sales boutons, là, répugnant plein la face, frérot. Ma jeune tête de scarabée, frérot. Non, c'est la puberté. J'ai été invité par une très célèbre marque de voiture que vous connaissez tous, qui est le sommet de l'automobile. Je vous laisse écrire dans les commentaires, là, de Snapchat, je sais pas comment on appelle ça, les commentaires... Là, des réponses, je sais pas comment on appelle ça. J'ai été invité pendant le mois de septembre à vous faire quelque chose de très très sale avec une voiture très très sale pour des gens très très sales. Je vous rappelle que j'ai négocié directement avec la marque, pas avec un revendeur de véhicules ou quoi. C'est la marque qui m'a contacté. J'ai eu des négociations avec la jeune marque et je pense que je vais en faire bander plus d'un. Alors, pas avec ma gueule de léopard, frérot, mais avec la voiture que je vais vous décoffrer. Entre temps, dans cette jeune AMG folle du seigneur, frérot, avec le virtual cockpit, bro. Les vrais connaisseurs de montres ne pourront que valider cette 15500 OR, OR pour or, fond noir. Mamma mia, que bella! Souvent les gens ils me disent, ouais, GMK, t'en montres trop sur les réseaux, frérot, machin. Mais c'est ma passion, frérot. Les montres et les voitures, c'est ma passion. Donc il faut juste bien interpréter ça, c'est pas de la branlette en mode t'as vu, ouais. Non, c'est en mode voilà, on aime les mêmes choses et moi je partage ça avec vous, c'est tout frérot, c'est pas du tuning, de la branlette. Toujours en vadrouille frérot, je pense que je passe dans ma journée 70% de mon temps dans une voiture. Et après, le reste, c'est dans mon lit ou sur les toilettes, frérot. En même temps, frérot, les voitures, c'est une passion. Et j'ai la chance, grâce à vous, de par mon statut, frérot, de minable influenceur automobile, de pouvoir conduire des super voitures, même quand elles sont pas forcément à moi, tu vois, des marques qui me les mettent à dispo ou quoi. Et du coup, bah, je compte pas le temps que je passe dans les voitures. Je peux prendre une voiture, juste tourner en rond sans aucun but, et je vais me dire, putain, c'est trop stylé, frérot. Pour moi, la voiture, c'est beaucoup plus qu'un simple moyen de déplacement, pardon, pour aller d'un point A à un point B. C'est une passion, c'est le tuning, frérot. Frérot, là, si tu vises vers le haut, tu vas voir quelque chose de très tuning. Une photo que je t'ai postée, j'en pense à mettre ton petit j'aime, et ça annonce du très très lourd. Je pense que dans la prochaine vidéo, vous allez péter un câble, frérot. Lombo, Huracan, Spider, Merco, Plaque, Merco, Yves Saint Laurent, et la publicité, les publicités, voilà, c'était les stories des GMK. Moi aussi, je suis passionné de montres et de voitures, mais c'est pas les mêmes montres, c'est pas les mêmes voitures, putain, que je conduis. Peut-être un jour. Qui sait, va savoir. Je n'y crois pas, mais déjà, voilà, avoir une petite montre suisse, même entrée de gamme, pas trop cher, c'est déjà bien. Voilà, avoir une petite Audi, même si c'est pas une foudre de compétition, voilà.
C'est le même intérieur que la RS. Mais c'est pas le même moteur, j'avoue, c'est pas le même moteur, c'est pas les mêmes jantes, c'est pas. Il y a deux, trois petites différences comme ça. Et c'est déjà ça, voilà, c'est déjà ça. Faut voir le verre à moitié rempli que le verre à moitié vide, comme on dit. En tout cas, la Chiron, c'est sûr que je n'aurai jamais de Chiron. C'est sûr et certain. Une voiture à 3-4 millions d'euros, oh. Même là, la Chiron, elle n'est pas GMK, c'est ils l'ont passé. Ils l'ont passé pour faire une vidéo, sûrement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.